avec ces gens-là. 3, 4. Attends. Allons, chat. Je suis arrivé à Avion le 1er juillet dernier. Suite à une mutation, j'étais directeur d'une école intercommunale dans le Nord, à Fenin-Ornain. Auparavant, enfin, j'ai naturellement commencé ma carrière de musicien par le biais des conservatoires régionaux. Je suis allé travailler la clarinette ensuite à Paris avec Guy Danguin, qui est un clarinettiste notoire et de la région. Dernièrement, je m'occupe aussi de la Fédération Régionale Nord-Pas-de-Calais, je suis président de la délégation de Lens. Donc j'ai entrepris une carrière qui remonte maintenant, j'ai commencé la musique à 14 ans, avec un professeur du collège de Méricourt, qui s'appelle Monsieur Marcel de Merville, à qui je dois énormément. C'est quelqu'un qui s'est complètement dévoué à moi pendant 2 ans. Grâce à lui, j'ai pu rentrer au conservatoire. J'y ai décroché naturellement les récompenses, les premiers prix de conservatoire. Ensuite, j'ai pris la direction de l'harmonie municipale, enfin l'avenir musical de Noyelles-sous-Lens et l'école de musique pendant 2-3 ans. Je suis allé effectuer mon service militaire au 43e de Lille sous la direction de Joël Fernande. Suite à cela, je me suis engagé dans la musique principale des troupes de marine. Je suis revenu sur le Nord-Pas-de-Calais. Je suis professeur de l'école de musique de Lambersart à la clarinette. Je donne aussi des cours à Wany. Et mon parcours, je suis allé aussi près de Béthune, à Hannequin. J'étais directeur à Hannequin pendant 5 ans. On y a d'ailleurs fait un CD. Et j'ai de très bons souvenirs un peu partout. Ma devise, c'est celle de la Fédération régionale. Art, dévouement, fraternité. Je ne peux pas concevoir la musique sans un esprit de fraternité à la base. Voilà. J'espère que tout se passera bien pour ce concert du 21 novembre. En tout cas, j'y ai donné toute l'énergie, ainsi que l'ensemble des musiciens. Je pense que maintenant, nous sommes sur une bonne voie. Il faut continuer. Et j'espère qu'il y aura du monde ce jour-là. Il y aura surtout, il faut que je vous dise que ce concert sera dédié à Annie Onstettre. C'est une fille que j'ai bien connue puisque j'avais fait quelques concerts avec elle à Hannequin d'ailleurs. Et malheureusement, elle nous a quittés en septembre. Elle devait reprendre la chorale d'Avion et le destin a fait que ce soit moi qui prenne la relève aussi de la chorale. Voilà, donc ce concert lui sera dédié, ainsi que, il faut que je dise qu'il y aura la participation de Julien Lebesque, qui est professeur de chant ici à l'école municipale de musique d'Avion, et ensemble, on aura une grande pensée pour elle. Il faut que je dise aussi que j'ai joué au sein de l'harmonie municipale d'Avion, ça devait être vers 1987, c'était pour le 125e anniversaire de l'harmonie, sous la direction de M. Mata, mon prédécesseur. Et puis d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai beaucoup d'estime pour M. Mata, pour le travail qu'il a fait au sein de l'école de musique comme pour l'harmonie. C'est quelqu'un qui s'est dévoué aussi corps et âme pour la musique et j'espère continuer sur sa lancée. Voilà. Je savais qu'en arrivant à Avion, les gens étaient plus disposés à faire les concerts que les défilés. Or, ma conception, c'est qu'on est avant tout au service de la ville. Et quand je dis la ville, c'est pas seulement la municipalité, mais les habitants. Il faut aussi qu'on soit présent sur le terrain, le plus possible, que ce soit pour des banquets, des anciens, des choses comme ça. Il y a maintenant des structures qui se créent au niveau de l'école de musique, avec l'orchestre de jazz, avec l'ensemble des jeunes, sous la direction
de Corinne Wettens, l'Orchestre du Jazz, donc sous la direction de Frédéric Adou. Et toutes ces petites structures, en fin de compte, on travaille en synergie au service de la population et de la musique surtout.